Ça y est, je l'ai enfin trouvé. Voilà. Ça fait des mois et des mois que je le cherche partout. Que j'attends ce petit moment. Cette petite faille. Cette erreur de sa part. Oh là non, il n'y a personne avec lui. Il n'y a pas ses grands gardes du corps. Sa mini-milice privée. Qu'il n'a bien sûr pas déclaré, voyons. Monsieur est trop parfait. Monsieur est trop sympathique avec les gens, adorable, idolé par tous. La presse l'acclame, les JT l'admirent, et le reste du grand public ne cesse de lui... Vous imaginez quoi? Je vais rester poli un minimum quand même. Mais voyons, même les plus beaux fruits du monde peuvent être pourris. Et croyez-moi que cet homme-là, ce grand avocat qui a aidé un nombre incalculable de personnes, à sortir des pires magouilles qu'il pouvait y avoir. Ce grand héros des temps modernes. Voyons, vous aidez nous deux personnes très connues et très aimées. Et là, boum, d'un coup, vous devenez un grand héros vous aussi. Comme si que ça marchait comme ça. Espèce de saloperie, tu m'as tout pris. J'ai plus rien, moi. Toi, t'es là, bien content dans cette petite forêt, tu fais un petit camping sauvage. Tu ne le dis à personne. Tu te mets bien dans ton coin, hein, ce petit bois privé qui, en plus, j'en suis sûr que c'est à toi. Tu l'as acheté avec quoi? Avec tout le sale fric que tu t'es fait, toutes les affaires immondes, toutes les pourritures que tu traînes. Mais après tout, ne dit-on pas que la merde attire la merde? Oh oui, toi t'en es une belle. C'est dommage que de là tu ne m'entends pas. Je t'observe depuis tout à l'heure. Si seulement tu pouvais avoir la moindre idée de ce qu'il t'attendait. Ça serait dommage car peut-être que je te louperais. Mais j'aimerais tellement voir dès maintenant la terreur dans tes yeux, l'angoisse et surtout, surtout, l'impuissance de savoir que tout ce qu'on a bâti, tout ce qu'on a fait, tout va être perdu, détruit. Ça ne te rappellerait rien? Hein? Tu ne te souviendrais pas d'une pauvre secrétaire? Qui s'est donné corps et âme pour toi. Elle a tout fait, tout ce qui était possible et imaginable. Elle en a même laissé sa santé. Et toi, quand elle t'a demandé simplement de l'aider dans ses frais médicaux qui étaient insurmontables car son pauvre mari, ne travaillant pas beaucoup en ce moment, ne pouvait malheureusement pas l'aider. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Eh bien, tu l'as jeté dehors, voyons. Après tout, personne n'est irremplaçable. Une nouvelle secrétaire, voyons. Ça se trouve en 5 minutes. Tu traverses la rue, tu prends une fille à peu près jolie, et qui sait un minimum compter, et puis voilà, elle est remplacée. Je me demande si tu te souviens d'elle. De ce regard comme je l'ai dit. J'aimerais tellement, tellement voir ce regard sur le tien. Te voir plonger dans la terreur, et peut-être même en devenir fou. À la dernière seconde, que tu deviennes comme ma pauvre femme, qui m'a quitté il y a quelques années, arrachée à la vie, alors que toi, tu aurais pu faire quelque chose. J'ai tant imaginé, mais je me suis demandé, si ma femme n'était pas irremplaçable comme tu l'avais pensé, est-ce que on pourrait te remplacer par quelqu'un d'autre qui ferait le même travail que toi? Alors tu vois, finalement, tu manqueras à personne. Oh oui, bien sûr, tu vas faire les gros titres. Le grand avocat qui a sauvé nos chers amis, mort dans une forêt. Eh bien, tu pourras être rassuré. Au moins, tu feras les gros titres des journaux, une toute dernière fois. Faut pas se plaindre, voyons. Moi, je pourrais être jaloux, je l'ai jamais fait. Toi, ça sera pas ta première. Mais ta dernière, c'est sûr. Bon, arrête en tonne autour du pot et... Procédant donc à cette petite sentence que je me suis improvisée. Après tout, pourquoi je te ferai arrêter pour ça? Je sais très bien qu'avec tes magouilles et ton système complètement pourri, t'arriveras à sortir de prison très rapidement. Tu iras même sûrement pas. Dans seulement quelques minutes, cette toute petite forêt
et j'en m'en excuse d'avance, va tout simplement prendre feu. Et toi, t'es en plein milieu. Il n'y aura aucun côté où ce que tu pourras sortir. Bon, heureusement, la forêt est petite. Il n'y aura pas de gros dégâts. Je me demande maintenant combien de temps il faut pour qu'une telle pourriture puisse brûler. Oh, sûrement pas longtemps. Avec toutes tes soirées bien arrosées que tu t'es fait, tu dois en avoir des litres d'alcool dans le sang. Tu vas sûrement flamber comme une allumette. De là où je suis, je ne risque absolument rien. Et je ne louperai pas un seul morceau de ce spectacle. Tout finira comme un gigantesque désert de cendres. Et toi, tu ne seras plus qu'un petit mirage, perdu au milieu de celui-ci. Le côté marrant dans cette histoire, quand on y pense, t'as toujours aimé être sous le feu des projecteurs. Eh bien voilà, un plus beau feu, rien que pour toi. Et pour être sûr que tu sois bien mort, j'ai des petits détectives qui prendront un malin plaisir à venir dévorer ce qu'il restera de toi. De simples petits cochons d'Inde. Oui, ça paraît idiot dit comme ça, mais on sous-estime énormément la capacité vorace de ces petites bêtes. S'ils trouvent le moindre morceau de toi, même grillé à point, ils n'en feront qu'une petite bouchée. Attendez bien sagement, mes mignons. Votre repas va bientôt passer au four. Allez, je commence la surprise. Mes dispositifs se sont allumés. Le feu a démarré, mais toi, tu n'as toujours rien remarqué. Pourtant, la fumée est visible. Qu'est-ce que t'as déjà bu comme ça? T'es incapable de voir le danger? Eh oui, c'est ça. Continue à feuilleter. À feuilleter quoi en plus? C'est quand même pas ce que je pense. T'es encore plus dégueulasse que je pouvais imaginer. Ah là, vraiment, je n'ai aucun remords d'imaginer ce que tu vas devenir. Ah, ça y est, tu viens de comprendre. Tu l'as senti l'odeur. Non, mais ça sert à rien de courir partout. C'est déjà trop tard. Plus qu'à rester bien sagement ici, à te regarder lentement mourir. Ça risque d'être long et... je ne veux pas louper une miette du spectacle. Mais sur ce, pourriture, profite bien de tes derniers instants. Et un dernier conseil pour toi, essaye de t'habituer à cette chaleur, car crois-moi qu'une ordure dans ton genre, il n'y a qu'une seule destination disponible, et ça ne sera certainement pas le paradis.